النبي صلى الله عليه وسلم le prophète صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق عليه الصلاه والسلام c'est la meilleure des créatures d'Allah عندما مات عليه الصلاه والسلام lorsqu'il est décédé le prophète هل صنعوا هذه الاشياء التي يصنعها الناس اليوم est-ce que les compagnons du prophète عليه الصلاه والسلام ont fait certaines choses que les gens font à notre époque هل اجتمعوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم est-ce que les compagnons se sont réunis dans la maison du prophète عليه الصلاه والسلام هل صنعوا طعام واجتمعوا للطعام est-ce qu'ils ont préparé un repas et se sont préparés pour ce repas هل السلف الصالح رضوان الله عليهم صنعوا هذا est-ce que les pieux prédécesseurs qu'Allah les agréé ont fait ça لا jamais de la vie. لماذا؟ Pourquoi؟ لأن هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من النياحة. Pourquoi؟ Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que cela revenait à se lamenter sur le mort. من الكبائر. Ça fait partie des grands péchés. من عادات أهل الجاهلية. Ça fait partie des pratiques des païens. ذكر محاسن الميت. Par exemple, évoquer les bienfaits du défunt. رفع الصوت بالبكاء. Élever sa voix en pleurant. لطم الخدود. Se frapper le visage. شق الجيوب. Se déchirer les vêtements. نتف الشعور. S'arracher les cheveux. لا يمكن أن نصنع إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. La seule chose que le croyant peut faire, c'est ce qui agrée Allah سبحانه وتعالى. يتبكي في حدود الشرع دون أن ترفع الصوت. Lors du décès d'une personne, tu peux pleurer mais sans élever la voix. لاجتماع في بيت الميت. Il ne faut pas se réunir chez la famille du défunt. نصنع طعاما لأهل الميت فقط أما الأقرباء الجيران يحضروا هذا من النياحة لا يجوز. Normalement, ce sont les voisins qui préparent de la nourriture pour la famille du défunt et pas le contraire. لماذا يعني نصنع هذه الأشياء؟ Pourquoi est-ce que nous faisons ça؟ ونرتكب بهذا يعني كبيرة من كبائر الذنوب. Et en faisant ça, on acquiert des mauvais péchés. حتى الميت يلحق إذن من هذا إن لم يحذر الناس من فعل هذا بعد موته. Et le défunt lui-même, il prend une part de ses péchés si il n'a pas mis sa famille contre ses, en garde contre ses pratiques avant de mourir. فلا بد أن نرجع إلى الله نترك هذه الأشياء. C'est pour ça que nous devons revenir à Allah et délaisser ses pratiques. وإلا لاحق هؤلاء الإثم وكذلك الميت يلحق إثم هؤلاء لا يحب الميت أصلا عندما يصنع هذه الأشياء. Sinon la famille du défunt aura des péchés et le défunt lui-même aura des péchés et ça lui va lui causer du tort. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية والله أعلم. Je demande à Allah سبحانه وتعالى qu'il nous guide ainsi que vous et Allah est le plus savant.